Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du moment. J'ai fait 6 catégories avec des produits que j'adore en ce moment. Vraiment que je vous conseille les yeux fermés à 10 000%. Je sais que vous avez été assez nombreux à me demander qu'est-ce que j'utilise en ce moment. Donc du coup je me suis dit je vais faire une vidéo où je récapitule absolument tous mes produits chouchous. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens en barre d'informations pour que vous puissiez aller piocher dans les produits qui vous font de l'œil. Je ne vous fais pas languir plus longtemps, c'est parti, on commence avec la catégorie maquillage. Je vous préviens à l'avance, cette vidéo va être assez longue et il y aura aussi dans la barre d'informations des liens qui seront traqués, c'est-à-dire à chaque fois que vous cliquez et que vous achetez via le lien qu'il y a en barre d'informations, je touche une petite commission. Comme tout est éclairci, je vais commencer par la base de She Glam. Alors celle-là, elle est presque terminée. J'en ai une toujours de secours. C'est celle-ci, c'est la Good Grip Hydrating Primer. Avec l'accent tout pourri, tout pété anglais. En fait, c'est une base hydratante. Alors, c'est ça que j'adore, c'est-à-dire qu'elle n'est pas grasse du tout. Elle hydrate énormément. On sent que la peau est beaucoup plus repulpée. Mais le meilleur truc de cette base, c'est qu'elle va agripper tous les produits que vous allez mettre sur votre teint après. Elle est génial. Je trouve que mon teint ne bouge pas de la journée quand je mets ça. Si vous avez la peau déshydratée et que vous cherchez une base qui fait que votre teint est beaucoup plus repulpé et qu'il tient toute la journée, foncez sur cette gamme-là. C'est un dupe de l'hydrogrip de chez Milk, donc forcément on est beaucoup moins cher et elle est au top du top. J'ai eu la hydrogrip, j'ai eu celle de chez ELF également et je trouve que celle-ci est vachement mieux rapport quantité-prix, qualité de produit, elle est top, donc voilà. Ensuite au niveau du teint, alors j'ai trois produits herboriants pour le teint. Je n'utilise que ça en ce moment. J'utilise ce produit-là que je détestais au début, c'est la CC Water. En fait la CC Water je l'utilise un petit peu plus foncé, ce qui fait que ça me donne une base hyper hydratante. Alors entre la base de chez She Glam plus ça, je peux vous dire que j'ai la peau ultra hydratée et ça fait une peau en bonne santé. Si vous avez une peau déshydratée, elle est terne. Si elle est hydratée, elle est lumineuse. Et du coup je mets ça qui a un effet un petit peu bronzant. Alors là c'est la caramel. En général autrement j'utilise la dorée. Je mets ça juste après la base de chez She Glam et en fait ça va apporter un coup de frais, un coup de bonne mine on va dire. Et comme je ne mets jamais de fond de teint, de bébé crème, de CC crème sur mon front parce que je trouve que ça accentue les rides, je ne mets que ça, ça me donne un effet bonne mine, un effet éclatant sur le front et je mets partout, mais je ne laisse que ça sur le front et je trouve que c'est absolument génial. Donc moi j'adore ce produit là, je sais que ça fait pas l'unanimité parce que moi-même au début je le détestais, mais je le trouve génial. Ensuite pour, alors la nana qui fait des trucs chelous, je prends cette bébé crème pour le bas de mon visage, c'est-à-dire que je ne maquille en bébé crème que cette partie-là, le front. Je vous dis, je ne mets pas trop de produits sur mon front parce que autrement ça marque les rides. C'est la bébé crème au ginseng de chez Herborian. Vous avez un SPF 20 dedans, ce qui n'est absolument pas suffisant pour la journée, mais ça au niveau des soins je vous explique juste après ce que je fais. Donc je la mets sur le bas de mon visage et voyez en fait, bah, je me suis maquillée avec ça aujourd'hui, c'est légèrement couvrant, on voit quand même un petit peu en transparence, c'est ce que j'aime. Moi mon âge, je pense que je mettrai quasiment plus jamais de fond de teint parce que je trouve que ça me plombe au niveau de la peau. Je trouve que c'est beaucoup plus lumineux avec une bébé crème, d'autant plus que là on est sur une bébé crème qui est un soin en même temps, donc on combine deux effets qui sont top, c'est à dire donner un effet plus uniforme à la peau et en même temps la soigner. Et pour le contour des yeux, j'utilise le CC Eye, donc c'est à la Centella Asiatica. Donc en fait, c'est un soin qui va illuminer le contour des yeux, qui est très léger, qui est très fin au niveau de la texture et qui du coup va, on va dire, unifier au niveau du dessous de l'œil sans apporter d'effet matière, sans vous marquer les ridules, en ayant un côté hydratant, soin lissant, etc. Moi, franchement, le fait que ce soit des soins
et qu'en même temps c'est un effet unifiant, c'est ça qui me plaît. Donc ce combo là c'est ce que j'utilise absolument tous les jours. D'ailleurs on voit que le CCI commence à faire la tête et que la bébé crème également. Pour l'été j'utilise la dorée, pour l'hiver j'utilise la nude, mais franchement ces produits ils sont top. Au niveau de la poudre, je prends celle de chez Shiglam, celle-ci elle est top parce que vous avez la poudre libre en dessous, et pour les retouches dans la journée vous avez la poudre compacte au dessus. Voilà, vous avez vraiment beaucoup de produits parce que vous avez la compacte et la libre. Bien que la libre parte assez vite, c'est vrai qu'elle est top. Elle a un côté floutant au niveau des pores. Elle tient extrêmement bien dans la journée, c'est-à-dire que vraiment j'en mets pas beaucoup parce que pareil, au niveau quantité, plus on prend de l'âge, moins on en met. C'est un conseil. Donc celle-là, je l'applique vraiment au pinceau pour fixer le maquillage et elle fait très bien le taf et elle coûte pas grand-chose. Franchement, je vous la conseille. Celle-ci, elle est top. On finit avec le teint. Cette brume-là est top aussi. Vous avez un effet un petit peu pas lac, mais voyez, vous sentez que votre peau, elle est... D'ailleurs, j'en ai même pas mis... C'est une brume pour fixer le maquillage, comme son nom l'indique, et franchement je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est une bonne alternative au fixateur de chez L'Oréal, qui est vraiment pour le coup une laque. Là on est entre le fixateur un peu hydratant, rafraîchissant, et le côté fixant de ce côté un peu laque, un peu gel. Donc franchement, essayez cette petite brume fixatrice de chez Shiglam, elle est top. On passe aux yeux. Alors petit combo du moment, bien que entre les deux, moi j'utilise 3 mascaras. D'ailleurs, je vous en ai parlé en vidéo rapide sur TikTok et sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vous ai donné la technique du moment pour faire mes cils et que Isalis utilise également. Le primer de chez Catrice, celui-ci, il est top. N'hésitez pas à le tester, franchement. C'est une base qui est légèrement grise quand même. Alors c'est ça qui est bien parce que souvent les bases sont blanches et je trouve que c'est un peu galère à recouvrir avec le mascara après. Celle-ci elle est grise et elle devient un peu transparente, donc ça c'est top, on la voit pas sur les cils. Et ensuite je mets un autre mascara qui est le Sky High de chez Maybelline. Et mon chouchou absolu des mascaras de tous les temps, c'est le Shiglam, le Flutter Wink. Franchement, foncez sur ce mascara, je n'ai aucun mauvais retour sur ce mascara, je vous le conseille depuis des mois, notamment quand je fais des lives sur TikTok, j'en parle tout le temps. C'est un mascara qui va vous donner de la longueur, du volume, qui ne bouge pas avec la transpiration et ne transfère pas. Il est résistant à la transpiration, il n'est pas waterproof, mais en fait il résiste très bien à la journée. Je n'ai aucun transfert sur mes paupières alors qu'avec tous les mascaras j'en ai. Il coûte pas grand chose et il se démaquille à l'eau tiède. Autant vous dire que ce mascara est une pépite. Je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus, parce qu'il est génialissime. C'est une brosse en picot silicone comme ça qui agrippe absolument tous les cils. Ça, vous pouvez en mettre des couches. Franchement, moi je trouve qu'il tient hyper bien, il fait pas trop de paquets, il vous donne un résultat qui est intense. J'ai un poil dans mon rouge à lèvres, c'est une abomination. Non, franchement, il est génialissime, testez-le. Et il coûte que 3 ou 4 euros sur Shiglam, quoi. Moi, en général, quand j'en commande par 3 ou 4, comme ça, moi, je suis sûre. Mais ce mascara, c'est de la bombe. Je ne vois pas je ne vois pas de défaut à ce mascara, il est génial. Et ensuite, pour les lèvres, alors, les Vinyl Ink, bien évidemment, les Vinyl Ink, ils sont top. Moi, mon combo du moment, c'est ça. C'est-à-dire que j'utilise le Cheeky sur le centre de mes lèvres et je prends le Witty, donc celui-ci, pour faire le contour. Je floute un petit peu et ça me fait un combo un peu ombré, voyez, et j'adore ce combo de deux rouges à lèvres. Les Vinyl Ink, en fait, ce sont des rouges à lèvres très longue tenue sans transfert qui sont un effet lac brillant sur les lèvres. Ils tiennent excellemment bien. Moi, le Witty, je le trouve pas partout, je le trouve sur Amazon, donc je vous mettrai un lien Amazon. Mais franchement, ces rouges à lèvres là, les Vinyl Ink, c'est de la bombe. Vous avez un côté ultra confortable parce que en fait c'est pas comme des mattes où vous avez cette sensation un peu sèche. Là, absolument pas. Ça, l'effet là qui dure très longtemps. Enfin bon, ces rouges à lèvres, c'est génial. Testez-les, vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, on va passer aux soins. Les soins ultra importants, énormes. Mais quand je vous dis énorme, je pèse mes mots. Mais vraiment, j'ai vu ma peau se transformer. C'est un budget. Mais ces crèmes de chez Vichy, c'est de la bombe. Alors celle-là, je l'ai terminée. J'étais tellement malheureuse. C'est la Lift Active B3 Anti-Dark Spots. Donc anti-tache SPF
50. Cette crème-là, pour la journée, est absolument fabuleuse. En plus, elle ne graisse pas la peau. Je trouve qu'elle fait un teint ultra hydraté. Cette gamme est ultra efficace contre les taches. Je vous jure qu'au bout d'un mois, déjà, vous voyez un résultat. Je vous promets que cette gamme est somptueuse, magnifique. Il n'y a rien à dire. Je kiffe cette gamme. Franchement, je n'ai absolument rien à dire. Donc, la crème de jour, c'est celle-ci. Et la crème de nuit, c'est la même. Donc, c'est la Lift Active B3 Correcting et celle de nuit avec du rétinol pur. Attention, qui dit rétinol dit routine adaptée, c'est-à-dire que le rétinol ne s'utilise que le soir, d'accord? Il faut être patient avec le rétinol, c'est-à-dire que avec le rétinol déjà vous commencez une fois par semaine, vous mettez ce soin-là une fois par semaine au début si vous n'avez pas l'habitude du rétinol, ok? Vous pouvez avoir des effets que par exemple votre peau va rejeter toutes les toxines, de pousser de boutons. C'est normal. Vous pouvez avoir le côté un petit peu sensibilisation de la peau. C'est normal. C'est pour ça qu'il faut y aller très progressivement avec le rétinol. Mais le rétinol, c'est absolument magique. C'est magique sur les rides, c'est magique sur les taches, c'est magique sur les boutons, c'est magique sur les pores, c'est magique pour tout. Le rétinol, si vous y allez doucement, que vous incorporez doucement le rétinol à votre routine, c'est miraculeux, vraiment. Et cette gamme-là, moi je trouve qu'ils ont réussi à formuler une crème qui est confortable, ultra efficace. On sent vraiment que le rétinol est là, mais en même temps, qui n'est pas ultra violente. Moi je mets 3 à 4 fois par semaine, 3 à 4 fois par semaine maintenant. Je pense qu'en hiver, je passerai à quasiment tous les jours, parce que vraiment, je trouve que ma peau n'a rien à voir quand j'utilise ce produit et quand je ne l'utilise pas. Vraiment Vichy, vous avez fait une gamme de produits, ils ont un sérum aussi, si vous utilisez, alors les trois en même temps, votre peau, elle est, il n'y a plus rien, il n'y a plus de taches, en un mois, je peux vous garantir, faites des photos avant après, je peux vous garantir que si vous faites tout bien, en mettant une bonne protection solaire par-dessus la crème, même si elle est SPF 50, mettez de la protection solaire, je vous en parle juste après, si vous faites ça, je vous jure, mais vraiment, je vous promets que votre peau est transformée, je mets ma main à couper, vraiment. Mais par contre, suivez vraiment le protocole indiqué sur les conseils d'utilisation de la crème de nuit pour avoir un effet ultra efficace. Disclaimer, pour les peaux ultra sensibles, le rétinol, voilà, je ne me lance pas là-dessus. Si vous n'avez pas une peau ultra sensible, miraculeux. Ensuite, on parle de protection solaire. Protection solaire, alors celle-là, elle est génialissime. C'est la Revitalift Clinical, le fluide hydratant anti-UV de chez L'Oréal, avec de la vitamine C, me semble-t-il. Celui-là, je l'ai acheté, en Espagne. Mais franchement, si vous pouvez trouver le Revitalift 50 plus à la vitamine C, la gamme Revitalift Clinique, allez-y. Parce que ce fluide, il est génial, il n'est pas trop gras, il protège ultra bien, il va avoir un effet complémentaire avec les soins, le côté anti-tache, vitamine C, éclat, régénération de la peau, etc. Franchement, c'est Sonia Seller qui l'a conseillé en vidéo, et depuis, je n'utilise que cette crème solaire absolument tous les jours. Été, hiver, printemps, automne, on utilise de la protection solaire sur sa peau. Qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, que vous sortiez ou pas, on ne sait jamais, on utilise de la protection solaire. Donc moi, je vous conseille celle-là, elle est pas chère et elle est géniale. Ensuite, au niveau, quand j'alterne le soir pour la crème de nuit, quand je mets pas la crème de nuit de chez Vichy, je mets bien évidemment le Skin Therapy de chez Herborian, que j'adore, que je rachète. Je suis cliente Herborian, je reçois leurs produits aussi, je vais pas vous mentir, mais par exemple ça, ce sérum là, enfin c'est une huile sérum, elle est absolument géniale, c'est une huile biphasée, faut la secouer bien évidemment avant de l'utiliser, vous mettez une petite pipette, pas entière bien évidemment, sur votre peau, et c'est votre soin de nuit, et elle est absolument extraordinaire, vous vous réveillez, vous avez de l'éclat, vous avez l'hydratation, vous avez votre peau repulpée, ça agit contre les rides, contre plein de choses, allez faire un tour sur le site d'Herborian pour voir vraiment tous les bienfaits de ce sérum huile de nuit, Skin Therapy, avec, voilà, c'est marqué 17 super ingrédients, autant vous dire que franchement c'est un best-seller chez Herborian, et je comprends pourquoi, parce que ce truc là ça fait des mois que j'utilise et je l'adore. On continue avec les cheveux, c'est
c'est le masque Fino. C'est un masque pour les cheveux de la marque Shiseido, qui est un masque japonais qui cartonne, et je comprends pourquoi. Ce masque-là vous fait des cheveux. C'est une dinguerie. Alors il coûte assez cher. Moi je le prends sur Amazon parce que ça arrive plus vite. Sinon vous pouvez le trouver sur les sites coréens, style YesStyle, style Evana, enfin bon bref, sur des sites, mais moi je le prends sur Amazon parce qu'il arrive beaucoup plus vite. Ce masque est une pure bombe, il sent extrêmement bon, ça sent un peu fort, voilà, mais il vous fait des cheveux de malade, c'est-à-dire que ça brille, c'est doux, c'est vraiment effet, vous savez, les cheveux d'asiatique. Il est miraculeux ce masque, il est génialissime, je vous le conseille à 10 000%, ça vaut largement du kérastase et tout, c'est de la bombe. Je vous mets le lien en barre d'informations, essayez. Ensuite, si vous voulez trouver des shampoings, soins, etc. en supermarché, la gamme Elsef de L'Oréal à l'acide glycolique. Le shampoing est sans sulfate. Je vous rappelle, on n'utilise pas de sulfate dans ces shampoings, surtout si vous avez les cheveux colorés ou fragilisés, pour ne pas déjà décaper votre cuir chevelu. Si vous avez les cheveux gras, etc., n'utilisez pas de sulfate. Votre cuir chevelu se défend en reproduisant encore plus de sébum, donc c'est encore pire. On n'utilise pas de sulfate. Les sulfates, on les bannit. C'est du décapant, les gars. C'est ce qu'on met dans le liquide vaisselle ou la lessive. Donc on ne veut pas mettre de liquide vaisselle sur ses cheveux. On est d'accord. Donc pas de sulfate dans les shampoings. Donc cette gamme-là, elle est top pour avoir un côté glossy sur les cheveux, pour éviter les fourches. Je rappelle, on ne peut pas réparer des fourches sur les cheveux, hein, c'est pas possible. Pour les fourches, on les coupe. Voilà, il n'y a pas de remède miracle. Mais pour ne pas en avoir, on utilise des bons produits qui hydratent bien le cheveu. On ne se brosse pas les cheveux comme un gros bourrin. On prend soin de ses cheveux. Les cheveux, c'est une matière morte. Si le cheveu est explosé, on ne peut pas réparer les fourches. Vraiment. Donc, je vous conseille, moi, cette gamme-là, qui va vraiment vous apporter beaucoup de douceur, beaucoup de brillance. Combiné avec ça, je peux vous dire... vous avez des cheveux de rêve. Et dernière chose, alors ça je l'ai acheté sur Amazon, vous voyez il y a mes cheveux dessus, j'adore ce truc. C'est-à-dire que c'est une brosse chauffante, pas soufflante, qui chauffe, mais pour faire moi les mèches de ma frange comme ça, j'utilise ce truc là, je fais ce mouvement là, et en fait ma mèche se met toute seule en place, ça chauffe, et ça vraiment vous pouvez faire des brushings de ouf avec ça, sans air. C'est-à-dire que moi, j'aime pas quand il y a de l'air, ça me fait plein de cheveux partout. Là, on est sur une brosse chauffante, lissante, avec des plaques en céramique, qui vous fait faire des brushings ultra facilement avec les cheveux qui sont ultra brillants et sans effet de, avec l'air en fait de petits cheveux qui partent dans tous les sens. Voilà. Cette brosse-là, moi j'adore. Il y a plusieurs embouts, mais bon, je n'utilise pas les autres, clairement. C'est moi, c'est que celle-là. Et j'utilise ça pour le devant de mon visage parce que je trouve que c'est le plus efficace. Je lisse avec un lisseur. Bien évidemment, on met un protecteur de chaleur avant. Et ensuite, pour les cheveux de devant, ça... Et mes cheveux sont nickel. Ensuite, alors vous avez été tellement nombreux à me demander comment je faisais mes ongles. D'ailleurs, il faut que je refasse ma pause. Alors, on va commencer par le commencement. J'achète beaucoup de produits sur Amazon. Je suis absolument pas une pro et c'est pour ça que je ne vous ferai pas une vidéo sur ma pause pour les ongles. Je fais une pause américaine. Je vous invite à aller sur YouTube, à regarder tuto pose américaine pour les ongles. Vous allez trouver vraiment tout ce qu'il faut sur YouTube avec des gens qui vont vous dire comment faire. Moi, je vous montre juste les produits que j'utilise. Alors, on commence par ça que je trouve sur Amazon. C'est un petit duo de deux flacons comme ça, avec des numéros dessus. Donc vous voyez, vous avez le numéro 2 et le numéro 1. Le numéro 1, c'est quelque chose qui va dégraisser votre ongle pour pouvoir accueillir le produit après, pour que ça adhère mieux. Ça va, ouais, déshydrater un peu, dégraisser l'ongle, pour que en fait ça adhère mieux. Ensuite ça, ça va vous servir de base pour coller vos capsules américaines. Les capsules américaines sont des capsules qui sont en gel, qui se dégradent avec l'acétone. Donc c'est ultra pratique parce que vous pouvez faire des poses et des déposes ultra facilement avec un flacon d'acétone. Vous déposez le truc sans abîmer vos ongles. Moi ce que je fais, c'est que ça, je le mets en fine couche sur mon ongle, je catalyse et ensuite je mets ça dans ma capsule, je pose ma capsule, je catalyse et je peux passer à la couleur. Alors,
Donc ça, c'est pour le déshydratant et la base, enfin, on va dire la demi-base un peu, vous voyez. Ensuite, au niveau capsule, moi, je prends celle-là sur Amazon. Je vous mettrai le lien. Vous avez toutes les formes, toutes les longueurs. Ce que j'aime bien, moi, c'est qu'elles sont déjà limées à l'intérieur. Ça vous évite la préparation du limage pour que ça adhère bien. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est des super capsules qui se posent ultra facilement. Et franchement, moi, j'adore. Je vous mettrai le lien. Pour catalyser le... chaque capsule, il vous faut une lampe individuelle parce que vous pouvez pas tenir la capsule et la mettre sous les lampes en arc de cerf comme ça. Donc je vous conseille une petite, moi j'ai pris ça sur Amazon, c'est une petite lampe bleue comme ça et avec son petit support. Voilà, tout simplement le support, la lampe bleue, et vous catalysez chaque ongle avec ça. Voilà, la petite lampe ultra pratique, ça se recharge en USB-C. Impeccable. Pour le top coat, gros coup de cœur pour celui-ci, le top coat en fait, ce qui est bien, c'est que c'est un top coat qui, ils appellent ça no wipe, c'est-à-dire que vous n'avez pas de résidus collants quand vous catalysez votre top coat, donc forcément, eh ben, vous le posez et c'est fini, pas besoin de dégraisser, pas besoin de, voilà, il colle pas du tout, donc franchement, il est top, il tient très bien, il est ultra brillant, franchement, j'en ai testé plusieurs et c'est celui-là que je préfère. Ensuite, au niveau des vernis, alors moi j'aime bien la marque V-Shine sur Amazon. Là, c'est un kit de marron, beige, etc. Mais la marque V-Shine est vraiment pas mal. Alors ça part très vite. Par contre, vous avez énormément de couleurs sur Amazon avec V-Shine. Ils ont toute texture, toute couleur, toute finition, etc. Et gros coup de cœur pour ce truc-là. C'est un kit de... Alors ça s'appelle Your Sugar. C'est des vernis à ongles semi-permanents, mais fluo. Ils sont géniaux. C'est-à-dire qu'ils sont ultra couvrants, très pigmentés. Ils sont liquides et en même temps hyper... Enfin, tellement pigmentés qu'avec une couche, déjà, vous avez une opacité. Ils sont hyper faciles à travailler. Enfin, j'adore. Alors, c'est dommage qu'ils ne fassent pas plus de couleurs parce que la qualité... elle est dingue. Même si vous êtes PO, je pense que vous pourriez essayer parce que ils sont vachement bien. J'aime beaucoup. Ah, je vois qu'ils ont un site internet. Je vais aller faire un tour parce que j'aime beaucoup, beaucoup ces vernis-là. Ils sont ultra faciles à travailler, d'une qualité dingue et d'une tenue de malade. Donc franchement, même si vous êtes PO, je vous les conseille parce qu'ils sont top. Hop. Donc voilà pour les ongles, à peu près mes essentiels, on va dire. Après, je vous conseille d'aller voir des tutos sur YouTube pour voir qu'est-ce qu'il vous faut comme autre matériel, notamment une lampe, une bonne lampe pour catalyser toute la main quand on fait de la couleur. Moi, j'en ai une de 36 watts. Je vous conseille une bonne lampe pour que ça catalyse bien, que vous ne retrouviez pas avec des accidents. Et une lampe aussi, donc une arche comme ça, avec un miroir en dessous. Comme ça, la lumière est bien diffusée. Voilà. Moi, j'ai celle de chez Manucuriste et elle est très, très bien. On passe ensuite aux parfums. Alors, les parfums, j'ai des chouchous, bien évidemment. Hein. Si vous allez en Espagne, que vous allez chez Lidl, essayez celui-là. C'est de la gamme Suddenly. Alors, si vous connaissez les parfums chez Lidl, c'est la marque de chez Lidl, Suddenly. Mais la Stylish Girl, vous le trouvez que en Espagne. Enfin, du moins, moi, j'en ai vu qu'en Espagne. C'est un dupe du Carolina Herrera Good Girl. Et il tient extrêmement... Je vous dis, ce parfum tient extrêmement bien. En fait, tous les parfums que j'ai trouvés en Espagne de Suddenly tiennent extrêmement bien. J'ai trouvé le dupe de Narciso Rodriguez For Her. J'ai trouvé donc celui-ci, donc le dupe de Good Girl de Carolina Herrera. Et ils tiennent extrêmement bien. C'est un 100 ml testé. Franchement, si vous allez en Espagne, allez chez Lidl, prenez-le, testez-le sur votre main. Il est extraordinaire. Il tient ultra bien. Même quand je prends mon shampoing, je sens le parfum sur mes cheveux. Enfin, le soir, quand je me tourne. Enfin, vraiment, il tient ultra bien. J'aime beaucoup, beaucoup. Et pour l'hiver, je trouve qu'il est très bien. Alors par contre, il est fort, hein, je vous préviens. Mais rapport qualité-prix, je crois que c'est 6 € ou 7 € les 100 ml. Imbattable. Ensuite, de chez Adop, le Wonderful. Le Wonderful, c'est Isalis qui le porte. Il sent le sucre, la noix de coco. Faudrait que je regarde qu'est-ce qu'il y a dans celui-là. Je vais vous dire la pyramide olfactive. On est sur de la pêche, du jasmin, du bois de santal et de la noix de coco. Ce truc, le Wonderful, est une pure pépite qui tient extrêmement bien.
qui sent extrêmement bon. Franchement, si vous le connaissez pas, allez le sentir. C'est une pure merveille de douceur, de gourmandise. Il est extraordinaire. Et ensuite, bah comme d'habitude, j'ai reçu les parfums Nox. Gros coup de cœur pour le 292 pour homme, qui est le Yves Saint Laurent, qui sent extrêmement bon, qui tient extrêmement bien. J'aime beaucoup. Gros coup de cœur. Sachez que j'ai un code promo pour vous. Si vous voulez, je touche une commission sur les ventes de Nox. Donc, si vous voulez utiliser mon code promo et le lien que vous avez en barre d'information aussi, ce sont des dupes de grandes marques. Clairement, pour beaucoup moins cher, j'ai d'excellents retours sur Nox. Il y a des personnes, des abonnés parmi vous qui n'utilisent que ça. Il y a des déceptions aussi, j'entends, parce que ça dépend des parfums. Il y en a qui sont plus ou moins réussis. En tout cas, celui-là pour homme, le 292 est très bien. Le dupe de Alien, j'aime beaucoup aussi. Le dupe de Libre de chez Yves Saint Laurent pour femmes est très bien réussi aussi. En fait, vous avez, ça dépend des parfums. Il y en a qui sont très bien réussis et d'autres un peu moins. Mais moi, ceux que je vous conseille, je vous promets qu'ils sont vachement bien, qu'ils tiennent extrêmement bien. Pour des cadeaux de Noël, pour des cadeaux d'anniversaire, franchement, Nox, c'est un super bon plan parce que vous avez une quantité pour très peu cher. Ensuite, vous avez des super codes promo très régulièrement. Donc, je vous mets les liens. Allez faire un tour. Mais vraiment, les parfums Nox, c'est un super bon plan. Et pour finir, je vais vous parler de produits pour la maison. Alors, c'est un peu moins glamour et c'est pour ça que je finis par ça. Je vous avais été nombreux à me demander de vous montrer ça. Alors, ça, c'est le pchit à vitre, ils appellent ça. C'est de l'alcool ménager au citron pour faire tout ce qui est surface vitrée et c'est miraculeux. Si vous cherchez quelque chose où vous voulez pas vous casser la tête pour faire les surfaces vitrées, donc c'est-à-dire les miroirs, les fenêtres, les plaques vitro-céramiques, tout ce qui est vitré en fait, ce truc est génial. C'est-à-dire que avec un chiffon microfibre et ça, vous faites vos vitres en 2 secondes et vous avez aucune trace. Voilà, je vous conseille ça à 10 000%. Moi, j'en trouve plus dans mon supermarché. Apparemment, certaines en trouvent encore. C'est made in France, c'est fait dans le Franche-Comté, c'est avec 99,8% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc, en plus, ça, on aime. Il existe des recharges, donc vous gardez le vaporisateur et vous pouvez recharger. Moi, j'achète ça sur Amazon parce que j'en trouve plus près de chez moi, mais vous pouvez trouver ça en supermarché normalement. Je vous le conseille à 10 000% si vous aimez avoir vos surfaces vitrées nickel. Ensuite, énorme coup de cœur pour cette marque-là, notamment leur spray pour absorber les odeurs. Donc parfumez votre intérieur, parfumez vos tissus. C'est compatible aussi avec les tissus qui sont proches de vos animaux, pour les rideaux, pour les toilettes, si vous voulez mettre ça dans vos toilettes pour absorber les odeurs. Ce truc est absolument génial. Alors je n'ai plus celui à la fraise et à la chantilly, qui est mon favori chouchou de tous les temps. Voilà. Ce spray-là absorbe absolument toutes les odeurs, redonne vraiment une odeur gourmande et sucré à vos tissus et vos intérieurs. Ça dure des jours, c'est une dinguerie. Voilà, celui-ci est bien, mais prenez celui à la fraise chantilly, je vous garantis que ça sent plusieurs jours et c'est génial. C'est ultra doux, ultra gourmand, c'est des odeurs où en fait vous retombez en enfance et votre intérieur sent comme ça pendant des jours. Ça coûte que dalle, The Food Company. Apparemment leur fleur diffuseur d'odeur est génial aussi, donc j'essaierai de tester, mais franchement essayez, c'est génial vraiment. Moi j'ai trouvé ça sur Maki Beauty, mais vous en avez aussi sur Amazon, donc je vous mettrai tous les liens comme d'habitude en barre d'informations. Et pour finir, la Pink Stuff, hein. Pink Stuff, vous trouvez ça chez Action et j'utilise ça en combo avec le Scrub Daddy. Donc ça c'est le Scrub Mami, mais Scrub Daddy par exemple pour faire, moi j'aime bien faire les surfaces un petit peu encrassées et même sur les parois de douche encrassées avec du calcaire, c'est miraculeux. Donc c'est une pâte que vous utilisez avec, là en l'occurrence une éponge, que vous humidifiez légèrement, vous... essorer, je trouve plus mes mots, vous passez ça dans la pâte et ensuite vous venez faire vos surfaces et c'est génial. C'est un peu une pâte à récurer, seulement à l'intérieur vous avez aussi un savon, donc en fait c'est pas que la pâte, ça mousse aussi, ça sent très très bon et c'est ultra efficace. Donc moi je vous conseille, si vous avez jamais encore testé, chez Action ça existe, et vous avez aussi les éponges Scrub Daddy chez Action. Vous allez voir le combo des deux, les vitres de cheminée, ouais, toutes les surfaces encrassées, c'est
génial. Donc je vous conseille ça à 10 000% pour nettoyer votre intérieur. Donc voilà, on a terminé. Vous voyez, c'est assez long. Voilà, mais vous avez des pépites à l'intérieur et c'est vraiment des produits que j'ai utilisés, réutilisés, mais approuvés à 100%. D'ailleurs, si vous avez des produits qui sont là et que vous avez déjà testé et que vous avez approuvé, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire pour confirmer ou infirmer peut-être certains produits chouchous que je vous ai présentés. En tout cas, voilà pour mes favoris du moment, en espérant que ça vous ait servi. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker, abonnez-vous, partagez-la. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, donc c'est-à-dire le mardi et le vendredi à 19h pour des vidéos classiques et le lundi pour des vlogs. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous. Bye bye.